Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité et patience nous. Et merci le fait que nous fait choix de Sofia TV 83 pour informer. Information et détails pour journée lundi 9 mars 2021. Mais titre qui pourra le faire essentiel actualité. Trois présumés bandits mouri boule tête noire ak yon jeune garçon qui est de Saint-Ville âgé de 17 ans qui c'est Kokodaï bandio population remet bay la police. Et puis deuxième point dans information gagné Edmond Jean journaliste Radio Caraïbes là ak Dlonanger qui t'a parlé de Tom Malin Eric Laguerre qui gagnon artiste mami Pouela qui mouri suite ak yon malaise dimanche soir dans la cour Port-au-Prince. C'est ça yo ak kèklot information n'a porté pour vous dans le journal. Nous retournons pour développement information pourquoi elle est là n'a monté dans ville au Cap Haïtien depuis week-end là la plupart jamais suspend tomber et ça pas empêché population mettre la patte sous trois présumés bandits mettre dix feux sous yo bouler yo vif et puis remettre yo quatrième bail la police Fandi Zaksayo passé dans première section communale Grande Rivière du Noir dans zone Grand Gilles face à semble population pas décidé subir pression dans main bandits yo encore déterminé pour passer yo à l'infinitif coûte que coûte. N'a pas rappelé tout, la police nan Grand Noir mette la patte sous quatre individus qui ta gagné yo trempé dans zak assassinat qui t'est fait sous agent sécurité Gérald Blaise bandit étouillé nan vetier week-end passé ya en dans yon bureau transfert. Cependant, pas de parole PNH là, Richemont Dorival annoncé la police mette sous pied yon opération zéro tolérance contre tout bandit à kidnapper cap théoriser population. Depuis au Cap Haïtien, on suit Jean-Route Paul qui pral dit nous plus. Songez abonner, activez la cloche notification pour qu'arrêter informé à chaque fois nous publier une nouvelle information sous réseau information gros réseau Sofia TV 83. Moun nan première section communale Grand Rivière du Nord qui c'est Grand Gilles boule vif trois présumés bandits et puis remettre yon quatrième bay agent PNH yo avant ou te lagé coucou des quatre l'autre qui gen tan chapé pou li pou yo pa mouri tout. Ça passé matin samedi 7 mars 2020 passé a nan quatre mobilisation habitant Grand Gilles a fait pour touyer tout bandi kap piye voler touyer tout passager kap voyager sur route nationale numéro 3. Habitant Grand Gilles semblait ta découvrir que de Saint-Ville présumé braqué yo remettre bay la police là ta nan complicité à Claude groupe bandi la chercher dans l'autre zone pour venir commettre toute qualité d'acte malhonnête sous passager cap passé dans monde là c'est porte-parole la police là dans département Nord inspecteur Anassé Dorival qui confirme nouvelle là dans conférence de presse l'état bail dans tête collée avec chef paquet au cap là maître Richemont Florival population qui était en colère de ça cap passé tout monde touché dans question ça yo dérivé brûlé vif trois individus dans le dégion moi qui mène au même temps dans zone là c'est mon zone là alors yo même pas connaît pour qui raison yo pas l'échelle yo intervenu by la police lycée Kettler Saint-Ville j'ai 17 ans mettez sous ça Anassé Dorival annoncé dans conférence samedi à quatre autres individus jeune arrestation yo suite à une enquête la police ouvert après zak assassinat qui était fait contre Gérald Blaise l'agent sécurité bureau transfert bandit et assassiné semaine passée dans localité Vertienne dans l'entrée sud ville Cap-Haïtien parmi chef accusation yo kembe contre Mounsayo gen association malfaiteur braquage viol ak vol armé sous Bopal commissaire gouvernement annoncé yon opération qui relè zéro tolérance non objectif pour empêcher bandit tout plimay troubler l'ordre public là Fondi gen déjà 9 individus la police jou ki en bakod à cause Mounsayo pas gen identité sou yo. C'était Jean-Route Paul depuis au Cap Haïtien. Et puis deuxième point dans information gagné Edmond Jean yon journaliste Radio Caraïbio jeudi à la qui tape répondre une question Romanes samedi sous nouvelle triste qui frappe la presse haïtienne nan nouvelle la mort Tom Malin qui tombe nan yon moment difficile après songe gros attaque qui te fait sous Radio Caraïbes là nan jour passé yo suite ak yon gros déblosay qui te pété entre policiers yo et même corps l'armée haïtienne. C'est à Dlonanger de Constombré Edmond Jean t'a parlé des comédiens journalistes là
Tom Malais succombé à yon malaise hier de environ 11h du soir. Pour réseau Paola, m'a invité à entendre déclaration touchant Edmond Jean qui t'a parlé de Tom Malais qui t'a gagné non artiste Mami Pouela et bien qui allait quitter la presse haïtienne. Déjà, équipe Sofia TV 83 a souhaité condoléances à Zami Fami, Tom Malais et à famille Caraïbe. Restez connectés ensemble avec nous pour plus de détails. Gros réseau Sofia TV 83 a toujours kembe ou informé sur toute actualité qui a passé dans le monde, Haïti ou à l'étranger. Est-ce qu'elle t'a souffri quelque maladie? Est-ce qu'elle t'a connu une maladie ça déjà? Qui j'en ai collaboré Tom Deye? Allons, vieux jour ça, c'est dimanche après-midi. Tom Malais, n'a pas plein ça, Mami Brila. Avec nous en ligne, Edmond Jean-Baptiste de Martin Caraïbe. Bonne frontière à l'Avel. Edmond, comment ça est? Alors, bonjour Blaise, bonjour Manas. C'est un autre moment, malheureusement. Dans un moment de tristesse, côté Radio Télévision Caraïbe, famille Tom Malais, et pays tout entier perdu, aucun jeune garçon, Porto Rico qui s'est éteint la guerre de Tom Malais dans notre ville-là. Alors, avant les soirs, Tom Malais est sorti dans une activité victorieuse organisée pour 70e anniversaire. Et c'est dans notre été accompagné de quelques amis, et Tom Malais est attendu normalement. Aussi des sentiments malaises et des bons en forme de dépit de respiratoire et comme pas de sensibilité dans tout ce et puis une forme d'étouffement qui prend lui et puis faire diligence et les médecins lui expliquer qu'il faut amener à l'hôpital, l'hôpital c'est tout pour là c'est l'hôpital d'espoir. À peine lui venait à l'hôpital d'espoir, il aurait été pris en charge, mais malheureusement, le dernier souffle dans l'hôpital d'espoir. Une situation qui est vraiment triste pour nous, dans cette télévision Caraïbe, pour famille, pour tout le monde qui devenait tombe, pour la boîte de vie, qui a pu avoir elle. Donc, depuis les salles, on a des moments de tristesse et personne ne connaît dans quelle dimension n'a souffert de ça. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que Tom est souffrant, il est habitué à absent déjà pour cause maladie? Oui, Tom est d'abord diabétique, Tom est hypertendu. Mais et dernier jour, ça y est, en disant trois derniers mois, ça y est, Tom a gagné de complications cardiaques. Puisque dernièrement, il était obligé d'aller aux États-Unis d'Amérique parce qu'il était fait en. C'est le cas qu'il concernait une attaque de stroke. Pendant qu'il était à Parking pour aller dans le Chavannes. Et puis, on arrête pour la boîte de nous qui est emmené à l'hôpital Saint-Joseph. Après, il était fait pour premier soin, il était quoi venu déplacer pour aller à New York pour aller continuer à prendre soin. Je le tournais d'après ça, parce que nous avons des rapports qui sont très serrés. Nous avons gagné l'empile de notre collègue à la voix de la radio. Il dit moi, docteur Azili, qui a été enflé et qui a été bon parti pour fonctionner bien. Donc, il était sous médicament et puis, de temps en temps, pour aller faire visite régulière. Après, il est parti encore pour aller faire visite, il tournait. Mais, ma collègue, 63, 64 ans, peut-être. Mais nous ne pouvons pas nous à un départ aussitôt de Tom Malais. Qui est-ce que collaborateur Tom Deye, Tom Malais, Mami Brila, là où on attendait Tom Malais? Qui est-ce Tom Yé? Tom pas deux monde. Tom c'est mon nous tendez. Tom c'est mon nous tendez. Il n'y a pas un monde qui est dans la radio qui gagne en tempérament, en comportement. Et puis après, il n'y a pas dans la radio. Tom c'est mon monde qui dirait, qui franc, Tom c'est mon monde qui plaisant, qui aimait vivre. Tom a tout sale bien pour le dos là. L'abdou lui coule, qui te fâche, qui ne peut pas fâcher. Le boule faible, la faible, Tom t'a hypocrite. Tom t'a n'importe problème à voir, depuis qu'il y a un reconnu. Et Tom, c'est un monde qui toujours a encouragé, jeune garçon. Tom, nous prenons toujours à dire, mais pourquoi ça ne va pas la guider, il y a un jeune garçon, jeune femme, ça se tient à l'étranger, bien formé, yo. C'est yo qui a fait mal à voir. Et Tom te regarde tout très pessimiste vis-à-vis de Haïti. C'est chaque événement politique qui passe, Tom toujours le dit, ouais, ça m'a de l'âme, tout bagaille, il sait qu'il faut rien pour Haïti. Tout n'est que c'est affaire à régler. Moi-même, mettre la main, même pas haïtien, pas Haïti, nous. Mais mettre la main, vous-même, qui j'aime bien, sans prendre responsabilité. Alors, Tom, son monde comme ça. Donc, nous perdons en pile. Et quitte le salle de nouvelle radio, qui collabore à tel de Matekaï. Qui peut qu'on y fonctionne d'ailleurs, à partir du Mami Brila, de ce qu'on fait, on y travaille le dimanche. Comme, c'est le travail, vraiment, bon, on s'en hypocrisie.
Bon, qui toi, Lédemont, est-ce que y a une possibilité là pour nous faire un thème ici, l'aime qu'on est majorité, proche Tom, les qu'on pas qu'être à l'étranger? C'est à discuter, famille, moi personnellement, j'ai invité moi pour parler de ça, parce que nous prenons, nous venons double là, par exemple, le gros technicien de la délégation, que moi-même, pour nous, la planète, je vais aller finir samedi, dans ma année. Donc, c'est mon obligatoire ça, qui peut faire tant de vie dans la Haïti. Okay. Et comme pour talent et le passé, on a fait un mal à Haïti, on a fait un dégagement, le président ne m'a pas battu. Vie comme vie, nous l'avons mouru et moi, je suis là, après, tout le monde. Donc, nous connaissons des petits prix, environ 4 petits prix qui ont évolué aux États-Unis, et c'est un seul qui fait petit pour le prof aux États-Unis. Donc, c'est le monde qui est connecté du Haïti, de la Réton. Et de famille, de famille, mais qui ne peut pas aller tout le ici. Donc, la peine est qu'il décide de famille à prendre, quelle que soit la décision de famille à prendre, la blague. Mais moi-même, ben, si vous avez une position d'affaires, là, je m'en dis, que vous avez fait ici, parce que Tom, c'est toujours lui-même, la bénouille, dans le pays, et par un côté, il est à l'aise, dans le pays.